Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse quelqu'un qui me prend en marche maintenant, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Merci à tous ceux qui nous suivent. Comme d'habitude, je veux demander à quelqu'un de partager cette vidéo. Je veux demander à quelqu'un d'inviter un frère, une sœur à suivre avec nous cette vidéo parce que pour les retours que nous avons, les messages que nous donnons sur cette plateforme Domination Optimale, les enseignements du surnaturel font du bien à plus d'une personne. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous prennent en cours maintenant, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent maintenant, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur vos vies. Shalom à tous ceux qui sont connectés, je ne peux pas citer tous les noms, shalom à vous, voilà les habitués du surnaturel, que l'Éternel vous bénisse abondamment, shalom, 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 de nous prendre en marche. Avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler, c'est chaque deux semaines, donc rappeler qu'aujourd'hui, sous le coup de minuit 30 minutes, nous avons, minuit 30 minutes, heure de la France, nous avons la rencontre des surnaturels. Ceux qui sont habitués savent déjà comment ça se passe. Donc, sous le coup de minuit 30, nous avons rencontre des femmes et des hommes surnaturels, femmes et hommes surnaturels. Que Dieu te bénisse, toi qui nous prends maintenant en marche, comme je dis, merci de mettre les cœurs tout le long de cette vidéo, merci de commenter tout le long de cette vidéo, merci de partager tout le long de cette vidéo, et je crois par la grâce de Dieu que ceci te fera du bien et ceci fera du bien à quelqu'un. Nous sommes en train de parler de décoder le futur, nous sommes à la troisième partie aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas suivi les deux autres séances, priez d'avoir recours à notre page Domination Optimale, la page sur laquelle tu suis cette vidéo en ce moment même. Voilà, priez d'avoir recours à cette page pour regarder la première, le premier numéro, le deuxième numéro. Et nous sommes dans le grand thème, le pouvoir de l'esprit. Par la grâce de Dieu, j'espère que nous allons terminer décoder le futur, un thème très, très passionnant qui moi-même m'inspire beaucoup. Et je sais que beaucoup de personnes qui ont suivi ont été vraiment édifiées. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Nous commençons aujourd'hui, je vais rappeler rapidement et puis nous allons poursuivre sur là où nous nous sommes arrêtés. Nous avons défini le futur comme quelque chose qui appartient à l'avenir. D'accord? On a dit le futur, c'est quelque chose qui appartient à l'avenir. Voilà, donc on est parti sur cette définition-là, le futur, quelque chose qui appartient à l'avenir. Depuis la première séance, nous avons dit que connaître le futur te permet à toi de poser des pas aujourd'hui. Contrairement au commun des mortels qui estiment que aujourd'hui définit le futur, nous dans le surnaturel, nous disons que connaître le futur nous permet aujourd'hui de poser nos pas. En fonction de ce que je sais de demain, je marche aujourd'hui. Nous avons parlé de deux théories fondamentales. La théorie de la réalité parallèle. Ça a été expliqué dans Décoder le futur, première partie. Ça nous a entraîné sur le déjà-vu. Tout ça, ça a été expliqué. Je suis revenu un peu sur le déjà-vu lors de la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, nous avons parlé d'une deuxième théorie. La théorie de la réalité progressive. C'est ce que nous avons traité la semaine dernière. Donc, si tu n'as pas pu suivre, merci d'avoir recours à la vidéo précédente pour suivre un peu. Alléluia. Est-ce que je peux voir les commentaires? Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les likes? Est-ce que je peux voir les partages? Que Dieu nous bénisse. Voyez, je ne vous entends pas. Donc, c'est en regardant vos commentaires. Voilà, je me rends compte que vous me suivez, effectivement. C'est pour ça que nous insistons pour dire, est-ce que je peux avoir les commentaires? C'est juste pour me permettre de savoir que tu me suis et que tu es connecté. Alléluia. Voilà. Donc, comme je disais, la semaine dernière, nous avons traité la deuxième théorie, qui est la théorie de la réalité progressive. On avait expliqué que dans la réalité progressive, on ne voit pas le futur comme dans le cas de la réalité parallèle. Dans la réalité progressive, j'ai donné des versets bibliques et donc vous pouvez suivre la vidéo dernière. Dans la réalité progressive, le futur s'ouvre à toi étape par étape. Et cette réalité progressive-là nous a permis de toucher un thème que j'ai appelé futur conditionné. Voilà, j'ai abordé un sujet que j'ai appelé le futur conditionné qui a été clairement expliqué dans des versets que nous avons lus. Nous avons pris le passage de Deutéronome chapitre 28 et dans ce passage de Deutéronome chapitre 28, nous avons expliqué, nous avons montré comment est-ce que ça se passe le futur conditionné.
D'accord. Et à partir de cet instant précis, nous avons sorti un mystère, un premier mystère, parce qu'il y a le deuxième que nous allons toucher aujourd'hui. Je suis en train de faire rapidement le résumé des deux premiers niveaux de décoder le futur. Donc, à partir du futur conditionné, nous avons sorti un premier mystère dans lequel nous avons dit, le premier mystère que nous avons sorti, nous avons dit qu'il n'existe pas un seul futur, contrairement à ce que tout le monde pense. On croit que le futur, il est seul, il est unique. Non, il n'existe pas un seul futur. Et comme je le disais, quand tu prends Deutéronome chapitre 28, il est écrit, si tu fais comme si, voici ce que tu seras. Si tu fais comme si, voici ce que tu verras. Donc, la vie, chaque jour que nous vivons, aujourd'hui, nous sommes le 13 mai 2021. Le 13 mai 2021, en fonction de le chemin que je prends, va me déterminer, va me faire aboutir à un endroit, à un futur. D'accord? Donc, il n'existe pas un seul futur. Je vous ai expliqué que plusieurs chemins se dressent devant nous. Donc, vous allez vous rendre compte que quelqu'un va se rendre compte qu'en 2010, il a entendu des types de prophéties. En 2015, il a entendu un autre type de prophétie. En 2020, il a entendu un autre type de prophétie. Les révélations que tu entends dépendent de la position que tu occupes. Donc, aujourd'hui, si tu es placé à gauche, il y a des styles de révélations. Il y a un futur qui se dessine à toi en fonction du chemin que tu prends. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se parle? J'ai expliqué ça la semaine dernière. Je ne fais que revenir dessus. Et je vous avais dit que donc, quelqu'un peut être à un carrefour, quelqu'un dit avec moi, je suis un carrefour, et plusieurs chemins se dessinent devant toi. Et dans tous ces chemins-là, tu dois faire un choix, tu dois aller quelque part, et le choix que tu fais détermine un aboutissement. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'au lieu de prendre le chemin avant d'aller découvrir l'aboutissement, cherche à regarder dans le futur, cherche à voir l'aboutissement avant de choisir maintenant ton chemin. D'accord? C'est pour ça que nous étudions le surnaturel. C'est pour ça que nous développons notre esprit pour que notre esprit ait la capacité de voir dans le futur et nous dire quel est le bon chemin à prendre. Parce que tout chemin a un aboutissement. Alléluia. Et nous avons dit que à chaque personne correspond plusieurs futurs. Si je veux me marier, j'ai 4, 5, 6 femmes qui sont devant moi. Alléluia. En fonction de chacune d'elles, si je rentre en prière, parce que maintenant, je vous ai enseigné qu'il existe plusieurs futurs. Donc, si tu entres en prière, en ce moment précis, là, tu diras au Seigneur, si j'épouse Virginie, qu'est-ce qui se passe? Si j'épouse Louise, qu'est-ce qui se passe? Je lis les noms qui passent devant moi. Hein. Si j'épouse Virginie, comment ma vie sera? Si j'épouse Louise, comment ma vie sera? Si j'épouse Précieuse Elisha, comment ma vie sera? Si j'épouse telle personne. Donc, tu as ces 3, 4, 5, 6 propositions. OK? Jusque-là, on priait et puis on voyait quelque chose, une seule réponse et puis on s'en contentait. Mais maintenant, je veux que tu comprennes qu'il existe plusieurs futurs. Donc, prends le soin de présenter tout au Seigneur, de voir tous les aboutissants et les tenants à partir de ce moment précis, comme je vous ai enseigné depuis le volume 1. À partir de ce moment précis-là, tu peux faire ton choix. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, le premier mystère que j'ai eu enseigné hier, et plutôt la semaine dernière, en ce qui concerne le futur, c'est il n'existe pas un seul futur. Est-ce que quelqu'un peut marquer ça? Il n'existe pas un seul futur. Ça veut dire que quand je prends Herman Kouadio que je suis, il n'existe pas un seul futur, une seule ligne tracée pour moi comme un futur. Non. Aujourd'hui, je suis en France. Il y a les révélations, il y a le futur qui m'est destiné parce que je suis en France. Si demain, je suis aux États-Unis, il y a un futur qui va se tracer sur mon chemin parce que je suis aux États-Unis. Si dans 3 semaines, je suis en Russie, il y a quelque chose qui va se tracer sur mon chemin parce que je suis en Russie. Si je ne suis plus pasteur, que je deviens politicien, il y a un futur qui va se dresser pour moi parce que j'ai changé de métier. Si je ne suis plus pasteur, que je deviens policier, il y a un autre futur qui va se dresser pour moi. Donc, en fonction des différents pas que je pose, s'ouvre un chemin devant moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pour ça que je dis à quelqu'un, Marc, il n'existe pas un seul futur. Alors, je vous avais dit, ça sera un peu compliqué, mais on va y aller. Par la grâce de Dieu, j'espère qu'on s'entendra. Je vous avais demandé, je vous avais dit que j'allais expliquer aujourd'hui pourquoi je ne dis pas les futurs, mais pourquoi est-ce que je dis le futur, bien qu'il n'existe pas un seul.
Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous sommes toujours dans le premier mystère. Les versets de base sont les versets que nous avons déjà lus. C'est pour ça que je n'ai pas encore touché. Et là, je ne suis que dans le rappel. Tout à l'heure, on va aborder les points. Mais par la grâce de Dieu, je pense qu'on va finir. Parce que la plus grande partie a déjà été faite. Alléluia. Je pense qu'on va finir aujourd'hui. Donc, quelqu'un est à la croisée d'un chemin. Tu veux faire sortir, tu veux faire une activité. Tu veux vendre un pain. Tu veux faire... Quelle que soit ton activité, prends le temps, prie, va loin dans le futur, cherche à comprendre. Et en fonction de ça, ton esprit reviendra pour te dire, c'est un bon chemin, on peut le prendre ou on peut ne pas le prendre. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que je ne dis pas les futurs et je dis le futur? Parce que tout simplement, dans tous les éventuels futurs que ton esprit verra, un seul s'accomplira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit avec moi, un seul s'accomplira. Est-ce que tu peux marquer ça en commentaire? Un seul s'accomplira. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les likes. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous êtes présent? Voilà, montrez-moi que vous êtes là. Alléluia. Dans tous les éventuels futurs, voyez, dans tout ce que tu peux voir comme différents chemins qui s'ouvrent à toi, dans tous ces horizons, dans tous ces éventuels futurs, un seul de tout ce que tu auras vu s'accomplira. Et c'est pour ça que le futur n'est pas pluriel, c'est un futur. Il n'y a pas beaucoup. Ce sont des éventualités, ce sont des probabilités. D'accord? Donc, je reprends. Je suis pasteur, il y a une ligne qui est tracée. Je suis en France, il y a une ligne qui est tracée. Je quitte la France, je vais au Congo Kinshasa. Il y a une autre ligne qui se trace devant moi. OK? Je ne suis plus pasteur, je deviens politicien. Il y a une autre ligne qui se trace. Donc, de tous ces différents futurs qui se présentent à moi, un seul sera manifesté. Un seul futur s'accomplira. Quel est ce futur-là? Ça dépendra du chemin que j'aurai pris. Et c'est pour ça que, depuis la première partie, je vous dis que c'est le futur qui doit déterminer ton chemin à prendre. C'est ton futur que tu dois connaître là, qui va t'aider à faire un choix, parce que c'est un seul de ces futurs là qui s'accomplira. Et c'est pour ça qu'il n'existe pas, et on ne peut pas dire les futurs. Amen. Je dis les éventuels futurs qui se présentent à toi. Ce sont des probabilités. Et c'est pour ça que, comme je vous le disais, un prophète peut venir te dire aujourd'hui, je te vois en train de vendre, faire du commerce de paille. Un mois après, un autre prophète arrive. Bon, quand je dis prophète, je parle d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu va te dire, je te vois en train de faire un restaurant. Tu te demandes, mais c'est pas, je dois vendre ou bien c'est restaurant. Quelqu'un d'autre va te dire, je te vois en train de prêcher. Bon, c'est une prédication, c'est pas, c'est restaurant, c'est quoi? Un autre va te dire, je te vois en train de chanter sur une grande plateforme. C'est chanter. Voici quatre choses qu'on me dit. Mais pour finir, je suis perdu. Ne sois pas perdu. En fait, tous ces hommes de Dieu, toutes ces servantes de Dieu qui voient, ce sont des éventuels futurs qu'on voit pour toi. C'est pour ça qu'on peut prophétiser la même chose, mais quand on n'est pas connecté ou bien qu'on ne comprend pas le décoder le futur du surnaturel, on a l'impression que ce sont des révélations qui se contredisent. Non, ça ne se contredit pas. Ce sont des éventuels futurs qui se présentent à toi. Mais dans tous ces éventuels futurs-là, un seul futur s'accomplira. Un de tout ça s'accomplira. Parce que quand on dit les, c'est comme s'il y a plusieurs dans la main. Ce sont des probabilités, des éventualités. Donc, dans tout ça, il y a un qui va s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, le futur qui va s'accomplir là, il faut que toi-même, tu prennes la décision que tu choisis, c'est quoi? C'est pour ça que je vous disais, il faut connaître l'aboutissant. Il faut connaître où ce chemin-là te mène. Il faut aller dans le futur pour voir. Donc, si je m'installe en France, qu'est-ce que je vais devenir après? OK, ça m'arrange, j'ai vu ça. Si je vais au Canada, qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Si je suis au Gabon, qu'est-ce qui va se passer? Si je suis au Cameroun, tu vois? Donc, j'ai regardé tous ces futurs, tous ces éventuels futurs. En ce moment précis, je fais le choix. OK, quand j'ai vu tout ça, je pense que le futur du Cameroun me plaît. Je vais m'installer au Cameroun. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que je vous dis, il faut connaître. Donc, je vous disais la semaine passée, je ne dis pas les futurs, je dis le futur parce que ce sont des probabilités, ce sont des éventualités et dans tout ça, c'est un seul qui va s'accomplir. Est-ce qu'on peut passer? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce qu'on peut passer? Bien.
Donc, si nous pouvons passer, on va aborder le deuxième mystère. Quelqu'un écrit avec moi, deuxième mystère. Aujourd'hui, j'espère que ça ne sera pas trop compliqué pour toi parce que nous sommes en train d'opérer dans le surnaturel. Ce que je veux dire avant de passer au deuxième mystère, je rappelle que nous avons prié de nuit pour les habitués, pour les hommes et les femmes du surnaturel. Nous nous rencontrons à partir de 0h30 heure de la France. 0h30 heure de la France. Bien. Le deuxième mystère que nous allons aborder dans Décoder le futur, le premier mystère, j'avais dit, il n'existe pas un seul futur. Ça, c'est le premier point. Il y a des éventualités, il y a des probabilités. Donc, cherche à cerner tout. Tu es arrêté, un carrefour. Nous sommes dans la théorie de la réalité progressive. Donc, les horizons vont s'ouvrir à toi au fur et à mesure. Au fur et à mesure. OK? Bien. Deuxième mystère, c'est le futur est instable. My God, écris ça. Instabilité du futur. Mais l'instabilité du futur. L'instabilité du futur. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Je vais voir ça en commentaire. Excusez-moi. Le sujet me passionne. Le sujet me passionne. Écris l'instabilité du futur. Je vous explique. Le futur a un principe. Je vous ai dit, la définition, c'est quelque chose qui appartient à l'avenir. Le futur, il a un principe, c'est que il veut rester caché. D'accord? L'instabilité du futur. Merci à ceux qui mettent ça en commentaire. Le futur a un principe, c'est que dans sa notion du futur, il souhaite, le futur préfère rester caché. Écoutez-moi bien. Donc, quand le futur est révélé, je parle d'instabilité. Dès que le futur est révélé, ce futur-là tend à changer. Parce qu'il ne veut pas qu'on le découvre. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Est-ce que quelqu'un me comprend même? C'est un mystère. Le mystère, le deuxième mystère du futur, c'est que le futur ne veut pas qu'on le découvre. Et dès que tu vois le futur, il peut changer. Dès que tu vois le futur peut changer. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont vu, on vous a révélé le futur. Tu as vu ton futur en songe. Tu as senti par le sixième sens. Ton esprit s'est connecté au futur. Cependant, ce que tu as vu et ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a mentionné, ne s'est pas accompli comme on te l'a dit. Pourquoi? Parce que dès qu'on voit le futur, il change. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dès qu'on voit le futur change. Est-ce que je peux voir les commentaires? Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que tu me suis? Je veux voir si quelqu'un me suit. Voilà. OK. Sois béni, Indiana. Indiana Chile, je vois que tu me suis. Sois béni, prophétesse Casalis. Amen, amen, amen. Donc, dès que tu vois le futur peut changer. Alors, quelqu'un peut me poser la question, mais quel est donc l'intérêt d'enseigner sur décoder le futur? Parce que dès que je le vois, il peut changer. Je ne dis pas qu'il va changer. Je dis, dès que tu le vois, le futur peut changer. Je vous donne l'exemple. Je vous avais parlé de la première partie d'un film qu'on appelle Terminator, qu'on a regardé. D'accord? Je vous expliquais que dans ce futur-là, il y a eu une guerre. Et puis, on revient dans le passé pour chercher à tuer quelqu'un parce qu'on ne veut pas que ce futur-là s'accomplisse. Donc, aujourd'hui, Dieu me montre quelque chose. Je suis sur un chemin et puis je vois que quelque chose m'est révélé par rapport à mon futur. À partir de cet instant que je vois le futur, il peut basculer. Il peut changer. Je vous donne un exemple concret. Je suis dans mon véhicule, je prends un chemin. D'accord? Et puis, sur le chemin, à 500, 600, 700 ou bien à 2 km, il y a un bouchon, il y a un embouteillage. Si quelqu'un m'informe qu'il y a un embouteillage devant, je ne vais pas rentrer dans l'embouteillage. Je vais esquiver l'embouteillage, prendre un autre chemin pour éviter l'embouteillage. D'accord? Est-ce qu'on se comprend? Donc, ceux qui ne sont pas au courant qu'il y a un embouteillage vont rentrer dedans. Mais tous ceux qui entendront l'information qu'il y a un embouteillage éviteront l'embouteillage. En fait, tant qu'on ne t'a pas dit
Le futur qui est programmé pour toi, c'est que tu ailles rentrer dans l'embouteillage. Mais dès que tu as l'information, tu as la capacité donc d'éviter l'embouteillage. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est compliqué hein, aujourd'hui. Le deuxième mystère, mais on va terminer par la grâce de Dieu. Donc, je reprends. Le deuxième mystère, le premier mystère que j'avais dit, il n'existe pas un seul. Il y a beaucoup d'éventuels futurs. Le deuxième mystère, c'est que le futur, il est instable. Dès que tu le vois, il peut changer. Alors, quelqu'un me dira, mais vaut mieux ne pas le voir. Mais si tu ne le vois pas aussi, qu'est-ce qui t'est réservé? Voici la question que je pose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je ne vois pas le futur, si je ne cherche pas à savoir, qu'est-ce qui m'est réservé? Est-ce que je m'en vais tomber dans un trou? Est-ce que je m'en vais me cogner la tête? Est-ce que je m'en vais me fracasser au mur? Il faut que je sache. Mais dès que je le vois, il peut basculer, il peut changer. C'est ça le mystère du futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux dire à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est en classe de terminale, et on a vécu ça, des gens qui sont en classe de terminale, ils n'ont pas encore composé. Puis l'homme de Dieu lui dit, je vois que tu as réussi à ton examen. Quelqu'un dit, amen. L'année s'écoule, on finit les examens, la personne a échoué. Ah, le prophète a menti. Il m'a dit que j'allais réussir à mon examen. Comment ça se fait que j'ai échoué à mon examen? Alléluia. Alors que le prophète m'a dit que j'allais réussir. Mais en fait, quand l'homme de Dieu t'a dit que tu allais réussir, tu viens de voir le futur. Or, le futur n'aime pas qu'on le découvre. C'est pour ça que nous sommes dans le surnaturel. Le futur n'aime pas qu'on le voit. Dès que tu le vois, il peut basculer, il peut changer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut donc que quelqu'un arrive à maîtriser le futur. My God, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans le surnaturel. Dis avec moi, maîtriser le futur. Est-ce que tu peux écrire ça avec moi? Alléluia. Il faut donc que tu arrives à maîtriser le futur. Si tu n'arrives pas à maîtriser, ce que tu vois peut t'échapper. Mais si tu arrives à maîtriser, ça peut ne pas t'échapper. On va aller dans la Bible maintenant. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Prenons nos Bibles dans le livre de Jonas, le chapitre 3. Allons-y. Jonas, au chapitre 3, nous allons lire du verset 3 au verset 10. Quelqu'un peut me marquer cette référence? Jonas, chapitre 3, du verset 3 au verset 10. Vous allez voir. Hein? Je dis, quand tu découvres le futur, il est susceptible de changer. Jonas, au chapitre 3. Quelqu'un marque la référence? Voilà, merci, merci. Je vois les commentaires. Je vois que vous suivez Georges Dabier, que l'Éternel te bénisse. Euphrésia Quadio, que l'Éternel te bénisse. Barbara Barclay, que l'Éternel te bénisse. Allons-y, Genèse chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. On va aller rapidement dans la lecture et vous allez comprendre. OK. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est l'homme de Dieu, c'est un prophète à qui Dieu parle. Ce prophète-là a vu le futur de Ninive et il annonce le futur qu'il vient de voir. Alléluia. À partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Donc, Jonas dit au verset 4, il criait et disait, encore 40 jours, c'est précis, hein? Encore 40 jours et Ninive est détruite. Verset 5, les gens de Ninive crurent en Dieu, à Dieu. Ils publiaient un jeûne. Donc, Ninive, les habitants de Ninive, Jonas vient, il crie dans la ville. Ainsi par l'Éternel, dans 40 jours, je détruis Ninive. Ninive sera détruite. Donc, Jonas a vu le futur de Ninive. Mais j'ai dit quoi? Futur progressif. Alléluia. Donc, il a vu le futur jusqu'à 40 jours. Il sait ce qui va se passer. Ninive a entendu, les habitants de Ninive ont entendu, eux aussi ont vu le futur. Verset 5. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands.
que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssons point. Ils ont découvert le futur, ils ont découvert ce qui va se passer dans 40 jours. Je vous ai dit que c'est le futur qui détermine l'action qu'on pose aujourd'hui. Donc, Ninive est là, le prophète Jonas entre dans la ville, il leur déclare, dans 40 jours, Ninive est détruite. Eux, ils ont su, ils ont découvert le futur. Ils viennent de décoder le futur. À partir de ce futur-là qu'ils ont vu, ils commencent à poser des actions aujourd'hui. La Bible dit, nous venons de lire, ils ont leur sac, ils se repentent. Et qui sait si Dieu ne se repentira pas. En d'autres termes, qui sait si ce futur qu'on vient de nous annoncer là ne va pas basculer. Alléluia. Alors, verset 10 qui nous intéresse. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire et ne le fit pas. En d'autres termes, 40 jours plus tard, Ninive n'a pas été détruite. Le futur a changé. L'action qu'ils ont eu à poser a changé le futur. Verset 4. Cela de plus fort à Jonas et il fut irrité. Chapitre 4 plutôt. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui te répand du mal. » Donc, le prophète Jonas a cette notion-là que le futur peut changer. C'est pour ça que quand je prophétise sur quelqu'un, malgré que si je prophétise le bon, il faut que tu te débrouilles pour maîtriser le futur. Et pour tous ceux qui me connaissent, quand je prophétise quelque chose qui est négatif, il y a une phrase juste que je fais suivre la prophétie négative. Tous ceux qui me connaissent savent. Dès que je dis à quelqu'un, je vois la mort, je vois l'échec, je vois tant, je précise en même temps, répète après moi, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que je ne peux pas te dire quelque chose qui est négatif et puis cela va s'accomplir. Dès que tu vois le futur, tu as la capacité de faire basculer, de changer le futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, les habitants de Ninive avaient un futur qui leur avait été annoncé. Dans 40 jours, ils vont être détruits. Mais en même temps qu'ils ont entendu la parole, en même temps, ils ont posé les actions qu'ils faisaient poser, la prophétie, le futur a changé. Donc, on peut te dire, tu vas mourir dans 3 jours. Vous connaissez l'exemple de Ézéchias, on a parlé de ça la semaine passée. Vous connaissez ce roi célèbre-là, à qui Dieu dit, tu vas mourir. Dès qu'il l'entend, il commence à poser des actions et il ne meurt plus. Mais de la même manière, il y a des gens à qui on a dit, tu vas réussir. Et puis, les personnes ont échoué. Pourquoi? Parce que dès que tu découvres le futur, il peut vaciller. Et le futur qui n'aime pas qu'on le découvre, il veut te faire mentir. Parce qu'il veut demeurer un mystère. Si on dit à quelqu'un, tu vas réussir à ton examen, le futur qu'on t'a annoncé là doit t'amener à poser des actions aujourd'hui. Parce qu'on t'a vu réussir à ton examen, continue d'étudier. Pourquoi? Parce que si tu croises les bras pour dire, oh, on m'a déjà montré que je vais réussir à mon examen, tu échoueras à ton examen. Pourquoi? Parce que tu dois maîtriser le futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois maîtriser le futur. Je vais vous donner un autre exemple. Genèse chapitre 41. Alléluia. Genèse chapitre 41. Ne pensez pas que le décoder le futur, c'est quelque chose d'aussi simple. Amen. Est-ce que ce message fait du bien à quelqu'un? Nous allons terminer par la grâce de Dieu. Genèse chapitre 41. Je dis bien maîtriser le futur. On va lire verset 28 à verset 32. C'est un peu long, mais on va juste prendre ce bout de partie-là parce que ça va nous aider.
Ça va nous aider, ça va nous aider. Verset 28, il dit quoi? Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, écoutez bien, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Verset 30. 7 années de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. 31. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Pharaon a un songe. Personne, deux songes même d'ailleurs, personne ne peut lui expliquer les songes. Joseph sort de la prison et Joseph arrive et Joseph interprète. Il dit, Dieu a montré quelque chose, je vois. L'interprétation de Joseph nous plonge dans le futur. Il dit, il aura 7 années d'abondance. Futur progressif. 7 années d'abondance. Après les 7 années d'abondance, il aura 7 années de famine. Ça fait 14 ans. Donc, Joseph a vu, a décodé le futur, mais sur 14 ans. Écoutez-moi bien. Alléluia. Sur 14 ans. Bien. Il dit donc à Pharaon, que Pharaon trouve un homme intelligent. Cet homme intelligent-là va pouvoir faire des réserves des aliments jusqu'à ce que. Donc, cet homme intelligent, on le met en poste pour qu'il puisse faire des réserves sur les 7 années d'abondance. Et puis après, quand on atteint les 7 années de famine, on pourra se nourrir de ce qu'on a mis de côté durant 7 ans. Pharaon dit, qui donc de plus intelligent que toi? C'est toi qui as décodé le futur. C'est toi qui peux occuper ce poste. Alléluia. Donc, quelqu'un me demandait, à quoi donc ça sert de décoder le futur s'il peut changer? Mais connaître le futur te positionne toujours au-dessus de certaines personnes qui ne connaissent pas le futur. Donc, ça, à ce moment précis-là, Joseph hérite du poste de premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à décoder le futur. Est-ce qu'on est d'accord? On peut avancer? Est-ce qu'on peut continuer? Il a réussi à décoder le futur. Allons-y. Joseph est établi premier ministre. À cette période-là, l'Égypte est la première puissance. Donc, les 7 premières années d'abondance, ce n'est pas ça le problème. Parce que l'Égypte est déjà en puissance et en force. D'accord? Maintenant, Joseph a dit quelque chose à Pharaon. C'est la raison pour laquelle Pharaon l'a nommé premier ministre. Il lui a dit, il a 7 années d'abondance. Après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine. Donc, Joseph est nommé premier ministre. Parce que dans 7 ans, il y aura de la famine et il faut que, à partir de ces 7 années de famine-là, que Joseph ait la capacité de gérer la famine qui arrive. Église, pour tous ceux qui me regardent, je vais vous poser une question. Nous sommes en 2021, plutôt. Joseph annonce 7 années d'abondance. Donc, plus 7 ans, 2028. Il dit, après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine. Ça veut dire qu'à partir de 2029, on doit rentrer dans la famine. Selon la prophétie, selon le futur que Joseph a décodé. C'est pour ça qu'il est premier ministre depuis 7 ans. Si nous sommes en 2029, en 2030, et puis il n'y a pas de famine, Joseph a menti. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'on t'a nommé justement premier ministre pour aller gérer les 7 années de famine. Sinon, l'Égypte était déjà bénie. Hein? C'était la première puissance de cette époque-là. L'Égypte était déjà bénie. Donc, les 7 années d'abondance n'étaient pas le problème. Mais tu occupes ce poste-là pour les 7 années de famine qui vont arriver. Ça veut dire que durant les 7 années où Jonas et Joseph étaient dans l'abondance en tant que premier ministre, ils étaient en train de voir, de scruter l'horizon. Tout le monde attendait Joseph sur les 7 années de famine qu'il a annoncées. Si les 7 années de famine n'arrivent pas, ça veut dire qu'il a bouffé l'argent, il a été nommé premier ministre en vain. Vous vous rendez compte que quand nous lisons la Bible, les 7 années de famine là sont arrivées effectivement parce qu'il y dépendait de la tête de Joseph. Il fallait que cela arrive. C'est ce que j'ai dit, maîtriser le futur. Donc, on ne change pas le futur pour le changer. Dans ce cas de Joseph-là,
Il fallait, c'est vrai que c'est un malheur, mais il fallait que la famine arrive. Parce que si ça n'arrive pas, il a un problème. En ce moment précis, Jonas et Joseph plutôt a réussi à maîtriser pour que le futur s'accomplisse comme ça doit s'accomplir. Alors, quelqu'un me pose la question de savoir comment donc je réussis à maîtriser le futur. Je rebobine un peu. Je vous avais expliqué que en fonction du futur que j'ai vu, je pose des actions. La réponse se trouve dedans. Le futur qui m'a été annoncé, est-ce qu'il me convient? Dans le cas de Joseph, est-ce que ça lui convient que dans 7 ans, il y ait la famine? Oui, il faut qu'il y ait la famine dans 7 ans. C'est en ce moment-là que Jonas, Joseph est en accord avec son Dieu, est en accord avec le surnaturel, opérer dans le surnaturel, travailler sur le monde invisible pour que ce que tu as vu là se matérialise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour ceux qui suivent, vous savez quels sont les types, les prières de nuit, vous savez quel type de prières on fait. Donc, si c'est des programmations que je vais faire, je ferai les programmations. Si je dois entrer dans un jeûne surnaturel, j'entrerai dans un jeûne surnaturel. Si je dois faire mon offrande de nouvelle lune, tout ce qu'on a déjà enseigné sur le surnaturel, ce sont des choses que je mettrai en application pour que ce futur que j'ai vu là s'accomplisse selon mes désirs, comme je le souhaite. Donc, il fallait, dans le cas de Joseph, que la famine arrive. Il ne devait pas reculer. La famine devait se manifester. Donc, Joseph fait tout ce qui est action dans le surnaturel à poser. J'ai déjà enseigné plusieurs choses à toi de voir. Si c'est dans le monde invisible que tu vas opérer, si c'est des prières prophétiques que tu vas faire, si c'est dans le surnaturel, quel que soit ce que tu as à poser comme action, alléluia, il faut que tu attaches ton âme, ton esprit, le pouvoir de ton esprit. Si nous sommes dans la loi de l'attraction, tout ce qu'on t'enseigne dans le surnaturel, tu vas les mettre en application parce qu'il faut que tu réussisses à maîtriser l'esprit du futur. C'est un esprit. Je vous ai dit que tout ce qui porte un nom a un esprit derrière lui. Alléluia. Et dans le surnaturel, nous avons la capacité de nous adresser à tout ce qui existe. Donc, ce futur-là que tu as vu, ce futur-là qui te plaît, ce futur-là que tu veux voir réaliser, tu vas attraper l'esprit de ce futur-là. Et tu vas collaborer, tu vas parler, tu vas faire tes actions du surnaturel, de tout ce que nous avons enseigné jusqu'aujourd'hui et de tout ce que nous enseignerons plus tard. Il faut que ce futur-là s'accomplisse. C'est ce que j'appelle maîtriser. Mais tu peux aussi te retrouver dans un cas où ce futur-là ne te plaît pas. Ça veut dire que tu poseras les actions qu'il y a à poser pour annuler, pour revoquer ce futur-là. Si le futur t'est révélé, c'est pour que tu puisses pouvoir le travailler. On dit à Joseph, prends le petit enfant et sa mère et bouge en Égypte. C'est pour que Jésus ne meure pas. Alléluia. Donc, on ne peut pas te révéler que tel malheur va t'arriver et puis le malheur t'atteint effectivement. C'est que tu as raté quelque chose. Par contre, si on te dit que telle chose de bien doit t'arriver, il faut donc que tu entres, que tu opères dans le surnaturel. Ne me demande pas comment opérer dans le surnaturel. C'est ce que nous enseignons. Tu mettras en application l'enseignement que tu dois mettre en application pour capter, pour maîtriser, parce que le futur, c'est un esprit. Tout ce qui a un nom, a un esprit, pour maîtriser cela, afin que cela reste et cela s'accomplisse selon ton désir. Donc, dans le cas de l'Égypte, c'était un malheur. Alléluia. C'était un malheur, mais Joseph avait besoin de ce malheur-là pour se positionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph avait besoin de ce malheur-là pour se positionner. Parce que si la famille n'arrive pas, il perd son poste de premier ministre, mais peut-être même qu'on va lui dire de rembourser tout son salaire des 7 années de premier ministre parce que tu étais là pour préparer. Ça veut dire que dans tout le temps, durant les 7 années, Joseph a prié, a parlé, a fait ses déclarations, a fait tout ce qu'il devait faire pour que la famine arrive, effectivement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Nous sommes dans le surnaturel et vous savez comment le surnaturel fonctionne. Vous savez que dans le surnaturel, toute chose a des oreilles, toute chose nous entend. Je vous disais tout à l'heure, le deuxième mystère, c'est l'instabilité. Donc, quand tu vois le futur, il faut que tu le possèdes. Il faut que tu maîtrises l'esprit de ce futur-là que tu auras vu. Dis avec moi, je dois maîtriser l'esprit de ce futur. Je dois le maîtriser. C'est pour ça que nous sommes dans le pouvoir de l'esprit.
Tu dois réussir à le capter, à le maîtriser, à le dompter, à le dominer. Mais là, c'est quelque chose qui t'arrange toi. Amen. Quand je dis ce qui t'arrange, je ne parle pas de ce qui est forcément positif. Dans le cas de Joseph, c'était un malheur, mais ça l'arrangeait. Est-ce que je parle à quelqu'un même? C'était un malheur, mais ça l'arrangeait. Alléluia. Il y a des cas où c'est négatif. Donc, si on te dit, j'ai vu ton mari t'a quitté, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tu vas changer ce futur-là. Nous sommes dans le surnaturel. Qu'est-ce que tu vas poser comme action? Où tu vas rentrer? Qui tu vas voir? Dans quel rituel du surnaturel tu vas pratiquer pour changer, pour dompter le monde d'invisible? Parce que vous savez, j'ai déjà enseigné ça, beaucoup de choses se passent dans l'invisible. Donc, quand ton esprit est rentré dans l'invisible et t'as connecté au futur et tu as vu que ce futur-là ne t'arrange pas, c'est dans l'invisible que tu vas changer ça. Beaucoup de personnes savent déjà de quoi je parle. Alléluia. Si ce n'est pas bon, tu le changes. Si c'est bon, tu dois le maîtriser. Alléluia. Donc, comment le maîtriser? Nous sommes dans le surnaturel. Nous sommes en train d'opérer dans le surnaturel. Le futur, c'est dans l'ordre de l'invisible. Parce que ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas encore matérialisé physiquement. Le futur se retrouve dans l'ordre de l'invisible. Et à partir de l'instant où ça se retrouve dans l'ordre de l'invisible, ça veut dire qu'en opérant, en te connectant au monde invisible, en posant les actions surnaturelles que j'ai expliquées, que j'ai déjà enseignées, de tous les enseignements que j'ai déjà donnés, en posant toutes ces actions surnaturelles, ça peut être invocation. À toi d'invoquer le Dieu que tu dois invoquer. J'ai déjà parlé de ça. Pour que ce futur-là s'accomplisse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça peut être un jeûne surnaturel que tu vas prendre. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais à toi de faire ce qu'il y a à faire dans tous les enseignements du surnaturel qu'on t'a donné. Mais tu dois maîtriser parce que le futur est de l'ordre du surnaturel. Et toi, tu es en train de devenir un homme. Tu es en train de devenir une femme surnaturelle. Alléluia. On va donner d'autres enseignements. On va parler du transfert, on va parler du sacrifice, on va parler du sacrifice humain. Il y a d'autres choses qu'on va continuer d'enseigner sur le surnaturel. Tous ces enseignements-là vont te donner de pouvoir dompter l'esprit du futur. Si tu veux le renverser, tu le renverseras. Si tu veux le changer, tu le changeras. Si tu veux le maintenir, tu le maintiendras. Ézéchias a changé en une minute son futur. Ninive, on vient de lire, dès qu'on a publié dans 40 jours, la ville sera détruite. Ils ont changé le futur. Mais Sodome, Gomorre n'a pas pu changer. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui n'ont pas pu influencer le futur. Ce qu'on leur a annoncé de négatif est arrivé. J'ai toujours dit à mes enfants spirituels, si j'annonce un malheur, je n'ai pas besoin que ce malheur-là s'accomplisse pour qu'on dise que je suis un vrai prophète. Non, je n'en ai pas besoin. Le malheur, cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. C'est toujours la phrase que je vais suivre. Et vous allez vous rendre compte que je vais donner un témoignage d'une de mes filles qui est connectée, je ne dirai pas son nom. Pendant qu'on préparait sa dot, je pense, oui, c'était sa dot, j'ai vu une grande pluie qui avait dégagé. Et on a prié pour ça. Vous, ceux qui sont à Abidjan, se souviennent de ça. Amen. Je voyais une grande pluie. Je voyais une grande pluie qui allait venir soulever les bâches, mélanger la cérémonie. C'était le futur. Si Dieu n'avait pas montré ça, le mariage allait être gâté. Ce témoignage me vient à l'esprit pendant que je suis en train de parler. Alléluia. Et pendant qu'on est en train de faire la cérémonie, le temps a commencé à devenir noir. Tout le monde a commencé à dire, hey, papa a dit, il y a eu une pluie, mais ça n'a pas atteint la dimension de mélanger le futur. Ça n'a pas atteint la dimension de changer, la cérémonie, de gâcher la cérémonie. Ça n'a pas atteint cette dimension-là. Non. Pourquoi? Parce que nous avons vu le futur et nous avons eu le temps de maîtriser et de changer parce qu'on doit changer. C'est pour ça qu'à tout moment, vous m'entendez dire « cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu ». Quand j'annonce négatif, mais quand j'annonce quelque chose qui est positif, ça ne veut pas dire que si tu croises les bras, ça va arriver. Non, tu dois apprendre à opérer dans le surnaturel afin de maîtriser. Alléluia. Afin de maîtriser ce futur-là. Dis avec moi, maîtriser l'esprit du futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, beaucoup de personnes ne sont pas rentrées dans le mariage comme ça a été annoncé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu maîtriser l'esprit du futur. Tu n'as pas pu maîtriser l'esprit du futur. Beaucoup de personnes ne sont pas entrées, n'ont pas eu le travail
annoncé, révélé dans le futur, parce que tu n'as pas pu maîtriser l'esprit du futur. Donc, tu dois garder ce deuxième mystère dans ton esprit, c'est que le futur n'aime pas qu'on le découvre. Le futur n'aime pas qu'on le voit. Dès qu'on le voit, il veut changer. Parce qu'il veut garder son mystère. Il veut garder son mystère. Donc, quand tu le vois naître, il veut changer. Il veut te surprendre en t'amenant autre chose que ce qui était prévu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dès que tu as vu, si ça te plaît, tu dois le maîtriser pour ne pas qu'il fuit. Tu dois le maîtriser pour ne pas qu'il change. Tu dois le maîtriser. Et comment le maîtriser? Opérons dans le surnaturel. Alléluia. C'est pour ça que pour tous ceux qui me suivent, à chaque nouvelle lune, nous avons la capacité d'opérer dans le surnaturel. À chaque nouvelle lune, nous nous présentons. Ton jour de naissance, nous nous présentons. Les enseignements sont versés déjà sur la page Domination Optimale. Pour toutes ces choses-là, alléluia. Si c'est bon, ne croise pas les bras. Vous avez vu que tous ceux qui ont entendu de vraies paroles, de bonnes paroles, quand je dis de bonnes prophéties, de bons futurs qui leur ont été révélés, qui ont croisé les bras, ont eu à soit à perdre ce qui a été annoncé. Mais heureusement, souvent, quand on voit ce qui est mauvais, on prie, et puis vous voyez que ça déjoue. Mais ce qui, si tu dis à quelqu'un, on voit un accident, si la personne n'y prend pas garde, l'accident arrive. Je parlais de mes filles, je lui disais, j'ai vu ton mari qui est mort dans un accident. Amen. Elle a fait les prières qu'il fallait. Mais j'ai prophétie conditionnée. Je lui ai dit, voici certaines choses qu'il ne faut pas. Et un matin, se lève, ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas qu'elle fasse, elle a fait. Son mari est sorti, il a appelé pour lui dire, oh, j'ai fait un accident. Mais heureusement, il n'est pas mort. Il lui a dit, tu vois, je t'avais averti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons terminer avec un élément. Alléluia. Je veux croire que ce message fait du bien à quelqu'un. Parce que nous sommes en train de boucler la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu, on va aborder un autre sujet surnaturel. Donc, je vous ai donné différentes étapes. Aujourd'hui, nous avons parlé de deux mystères. Le premier mystère, il n'existe pas un seul. Donc, dans tous les futurs que tu verras, un s'accomplira. Mais ce que tu as vu qui doit s'accomplir là, dès que tu l'as vu, le futur, quand tu le vois là, il est fâché en même temps. Je veux dire ça comme ça pour que tu comprennes de quoi je parle. Dès que tu le vois, il s'énerve. Dès que tu le vois, il est fâché. Il ne veut pas qu'on le découvre. Donc, il va tout faire pour disparaître. Saisis l'esprit du futur. Tout ce qui existe, tout ce dont on dit, tout ce qu'on mentionne naturellement, nous les surnaturels, nous savons que tout a des oreilles pour nous entendre. Donc l'esprit, le futur que tu auras vu là, tu maîtrises. Si ça, tu veux que ça s'accomplisse, ça s'accomplira. Si tu veux le changer, tu as la capacité de le changer. Je vais terminer par ceci. Un dernier élément, en quelques 5 minutes, je vais terminer avec ça. Alléluia. On a un dernier élément dans le futur que personnellement, j'ajoute, sinon l'enseignement du futur s'arrête là où je suis en ce moment, mais c'est un dernier élément que moi-même j'ajoute dessus de par mon expérience dans le monde surnaturel. Alléluia. Et j'ai appelé cet élément le repêchage. Quelqu'un peut dire avec moi le repêchage. Je l'ai mis en dernière position parce que c'est une option avec beaucoup d'astérisques dessus. Voilà, option, beaucoup d'astérisques. Donc, quelqu'un écrit avec moi le repêchage. Marc, le repêchage, je vais voir. C'est un dernier point dans le futur. À quoi le repêchage, en quoi ça consiste? Je vais expliquer. Est-ce que je peux voir des cœurs? Est-ce que je peux voir les likes? Nous avons quelques 2 à 3 minutes pour terminer notre live de ce soir, notre direct de ce soir. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on va aborder un autre sujet. Alléluia. Amen, 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 amen. Le repêchage, c'est une option. En quoi ça consiste? Ce repêchage-là, c'est l'intervention du maître suprême de l'univers, l'intervention du créateur du monde invisible. Alléluia. L'intervention de Dieu lui-même qui a créé toute chose par sa main puissante, dans sa souveraineté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, maître suprême de l'univers, créateur du ciel et de la terre, maître suprême de la destinée de tout le monde. C'est quelque chose que j'ajoute dans l'enseignement du surnaturel. Beaucoup d'hommes de Dieu qui vont enseigner dans le surnaturel, le futur, vont s'arrêter à ce que là où je venais de m'arrêter. Mais j'ajoute un dernier élément que j'appelle le repêchage. Ça consiste à quoi? C'est que c'est l'intervention de Dieu pour
pour te ramener, pour te positionner dans un futur que lui, Dieu, dans sa souveraineté, aura choisi pour toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a beaucoup d'éventuels futurs. Dieu, Maître suprême de l'univers, qui est ton créateur, toi qui me regardes, décide dans tous les éventuels futurs qui sont face à toi. Toi, tu fais ton choix. Et puis Dieu te repêche. J'appelle ça le repêchage. Ça veut dire que malgré le chemin que toi, tu as choisi et malgré le futur que toi, personnellement, tu veux, lui, Dieu, il va te soulever de ton mauvais, bon, pas de ton mauvais chemin, ce n'est pas un mauvais chemin. Il te soulève du chemin sur lequel tu t'es mis. Il te prend et puis il vient te déposer sur le chemin que lui-même, il a tracé pour toi. Donc, il te ramène by fire, by force, pour parler comme mon père spirituel, by fire, by force, il te ramène sur le futur que lui, Dieu, il veut pour toi. Donc, je prends mon exemple, Herman Quadio, ainsi par l'Éternel, tu as appelé à me servir, tu as appelé à me servir, moi, il dit à Dieu, nada, je ne te sers pas. Moi, je suis allé à l'école, je veux faire mes économies, je veux faire l'économie, voilà, donc je ne serai pas pasteur, ni aujourd'hui, ni demain. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais bosser dans une banque, je serai cadre, je vais prendre mon argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ma décision à moi. D'accord? Donc, je suis en train de faire mes études. Je suis en sciences économiques pour devenir un diplômé en économie. Amen. Être riche, prendre mon argent pour soutenir des pasteurs. Mais moi-même, être pasteur, je ne suis pas dedans. Donc, je prends mon chemin avec le futur que je vois dans mon esprit. Mais Dieu dit, ce n'est pas le chemin que je veux pour toi. Donc, il y a des personnes à qui ils laissent faire leur choix. Et puis, la chose arrive comme eux, ils l'ont décidé. Mais dans ce cadre-là, Dieu lui-même t'enlève de tes études. By fire, by force, il t'oblige à prendre le chemin du ministère pour devenir ce que lui, Dieu, il veut que tu sois. Donc, même si tu as commis l'erreur de prendre un mauvais chemin, c'est ce que j'appelle le repêchage. Il crée une situation pour te faire revenir sur le chemin qu'il voulait pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que j'appelle le repêchage. Et les deux exemples que nous avons pris tout à l'heure nous aident. Avec ça, nous terminons. La Bible dit, dans le livre de Jonas, à partir du chapitre 1, Dieu lui dit, va à Ninive. Vous connaissez le passage. Jonas monte sur le bateau, direction Tarsis. Parce qu'il dit, moi, je ne veux pas aller à Ninive. À chaque chemin que tu prends, il y a un futur. Donc, pendant que Jonas est sur le bateau pour aller à Tarsis, c'est la mort. Il vient de prendre le chemin de la mort. Vous connaissez l'histoire. Le vent commence à souffler. Le futur de Jonas, là, c'est pour aller à la mort. Il aurait dû aller à Ninive selon le plan de Dieu pour exercer le ministère prophétique. Le prophète Jonas dit, non, moi, je ne veux pas de ce futur-là. Il va ailleurs. Or, le chemin qu'il a pris, c'est un chemin qui le conduit à la mort. Quelqu'un dit avec moi le repêchage. Dieu envoie une baleine avaler Jonas pour aller le jeter sur la rive de Ninive. Ce n'est pas Jonas qui a pris la décision de partir à Ninive. Non, Dieu l'a repêché. Dieu a créé une situation pour qu'il entre dans le plan de Dieu que lui-même Dieu, maître de l'univers, a fixé et puis le dépose à Ninive, sur la rive de Ninive. Alors Jonas commence à prêcher. Alors Jonas commence à parler. Donc, ce cas-là, c'est un cas, j'ai dit, c'est une option avec plusieurs astérisques parce qu'on ne peut pas compter sur ça. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. C'est lui qui décide de faire le repêchage pour qui il veut, quand il veut et comme il veut. Dans le cas contraire, sans cette option du repêchage-là, ton futur est entre tes mains. C'est à toi de le maîtriser. Est-ce qu'on se parle? C'est à toi de le maîtriser. Il a dit à Abraham, tu auras des enfants, le fils de la promesse, il a prophétisé. Agar est venu mettre, Sarah, la mère Sarah, a mis Agar au milieu, qui a donné Ismaël. Vous voyez, un autre chemin était tracé pour Abraham, parce qu'il était dans la vision de Ismaël. Repêchage. Trois anges se dépêchent pour retrouver Abraham pendant qu'il est assis sous les chaînes de Mamré. Il est assis là-bas, repêchage. Il y a quelque chose dans la souveraineté de Dieu. Dieu rentre en action lui-même personnellement pour repêcher Abraham, le patriarche. Donc quand il les voit, il pose l'action. En fait, on va dire que c'est parce qu'il les a nourris que la prophétie est sortie. Non, c'est parce qu'eux, ils sont passés par là qu'il les a vus.
Donc, il y a eu le repêchage. Les trois anges entrent dans la maison, ils donnent à manger, puis ils disent, bon, l'année prochaine, Sarah aura un enfant. Mais ça faisait 25 ans que la prophétie n'était pas encore accomplie. Ça faisait 25 ans qu'on était en train d'oublier pratiquement cette prophétie-là. Dieu entre en action lui-même pour repêcher Abraham, pour repêcher Sarah, pour déclencher la naissance de Isaac, le fils de la promesse. Donc, vous allez voir que dans nos vies, il y a des situations comme ça où Dieu, dans sa souveraineté, va t'obliger à faire ce qu'il veut, à rentrer dans le futur qu'il a prévu pour toi. Donc, dans le cas du patriarche Abraham, je viens d'expliquer, dans le cas de Jonas qui fuyait par là à Tarsis, au lieu d'aller à Ninive, le repêchage est rentré en action. Là, c'est une décision souveraine de Dieu. On ne peut pas compter sur ça. C'est lui qui décide. Donc, moi, je bénis Dieu parce qu'il m'a repêché pour m'envoyer dans le ministère. Est-ce que si je n'étais pas devenu pasteur, j'allais être ce que je suis aujourd'hui? Anyway, I don't know. Donc, je vais terminer par ça, le repêchage. Alléluia. Dans le cas de Joseph, comme je vous disais, rien ne prouve que ses parents avaient prévu de l'aider. Rien ne prouve cela. Amen, amen. Mais on l'a vendu, il est devenu esclave, machin, repêchage. Au niveau de là-bas, Dieu fait quelque chose, il devient premier ministre. Est-ce que c'était prévu dans le plan de Dieu qu'il soit premier ministre depuis tous les jours? I don't know. Je vais terminer sur ce point-là. Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'a suivi. Que la grâce de Dieu soit ton partage. J'espère que tu as compris. Nous sommes en train de boucler cet enseignement sur opérons dans le surnaturel, décoder le futur. Nous sommes à la troisième et dernière partie. Alléluia. Donc, je veux croire que le message d'aujourd'hui a fait du bien à quelqu'un. S'il y a des questions à poser, vous pouvez laisser les questions. Et la semaine prochaine, en abordant le prochain sujet, si je peux revenir et répondre à certaines questions, je répondrai. Nous avons rendez-vous des surnaturels tout à l'heure sous le coup de 12h30 heure de la France. Vous savez comment ça se passe. Pour ceux qui n'ont jamais participé et qui veulent participer, vous pouvez envoyer un message à Domination Optimale. Vous pouvez envoyer des messages au numéro qui s'affiche sur ce direct-là pour voir comment vous connecter à la prière de tout à l'heure. Que Dieu bénisse tout le monde. Je veux croire que ce message a fait du bien. Décoder le futur, marche selon le futur qu'on t'a enseigné et espère, si tu t'es trompé, que le repêchage te rattrape pour que Dieu te mette sur son bon chemin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Nous nous retrouvons le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, à la même heure, 18h heure de la France, 16h00 GMT. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je suis révérend prophète Herman Kwadio, aiguisé pour dominer. Shalom.